C'est un réel plaisir pour moi d'ouvrir cette nouvelle édition des Assises nationales du vieillissement dans un format inédit puisqu'elle fusionne pour la première année avec le congrès Longevity. Nous avons en effet trop souvent tendance à scinder la question de la vieillesse alors qu'elle nécessite une approche globale. Soyez convaincus que je serai toujours attentive à ce que le secteur du grand âge, en établissement comme au domicile, soit toujours au cœur des préoccupations gouvernementales à court comme à long terme. C'est une réalité. Nous sommes entrés de plein pied dans la société de longévité. Il faut partir de la situation de la personne âgée et il faut construire sur chaque territoire avec ses caractéristiques, avec la diversité, il faut construire l'offre la plus adaptée. Il faut bien sûr adapter auprès de chaque territoire une politique au plus près de ces populations vieillissantes. Dans l'aménagement des territoires, d'abord les mobilités, c'est-à-dire rendre accessible par le déplacement l'accès aux services les plus proches. L'Agence régionale de santé Grand Est, elle travaille avec ses partenaires, et ça a aussi très bien été dit, pour mettre en œuvre la politique de santé dans la région. Et avec un axe très fort. Les pouvoirs publics, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, nous avons un devoir, être à l'écoute des personnes et de leurs proches pour mieux répondre à leurs besoins. En face de ce vieillissement constant de la population, il s'agit de promouvoir des environnements qui conféreront aux personnes âgées une autonomie le plus longtemps possible, tant pour leur garantir une qualité de vie que pour éviter de surcharger le système de santé nationale. C'est un vrai plaisir d'être ici parce qu'on a besoin que la réflexion sur le vieillissement, on a besoin que l'animation autour de cette filière qui est la silver economy irrigue tous nos territoires. Ce que j'espère, c'est que dans la suite de cette crise et avec les quelques propositions que j'ai formulées, on intègre désormais les enjeux de lutte contre l'isolement au même niveau que les questions de prévention des chutes, questions d'alimentation, de dénutrition, on en reparlera peut-être. À l'heure actuelle, il faut d'abord travailler par bassin de vie. Bassin de vie, ce qui permet d'avoir une vue globale sur un nombre suffisant pour pouvoir intervenir d'une façon efficace. C'est de mettre, je dirais, au sein d'un territoire, eh bien, de l'homogénéité et de la transparence, ainsi que de la transversalité pour que les gens travaillent ensemble au bénéfice des habitants âgés. Donc il y a un chemin qui est tout à fait prédictible, et concernant notamment la gestion de la dépendance, donc si j'assimile ça au plus de 85 ans pour simplifier le raisonnement, on a 10 ans devant nous pour se préparer quand même. Les innovations qui fonctionnent sont des innovations qui sont basées sur les fondamentaux, pas très innovantes. C'est co-créer avec les seniors, co-créer avec les financeurs, ceux qui vont financer les innovations, co-créer également avec tout ce qui est parapublic et public, co-créer avec les familles. L'ensemble de cette co-création va faire des bonnes innovations. Pour bien fédérer sur les territoires l'offre et la demande en matière de prévention et d'innovation, très clairement, c'est être présent sur le terrain, faire des appels d'offres adaptés, diversifier les offres de prévention, associer les bénéficiaires, les assurés à toutes ces demandes. Et là, la CARSAT a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la plupart des produits et services qui sont proposés aux personnes âgées ne correspondent pas ni à leurs besoins et ni surtout à leurs envies. Pour améliorer les synergies entre l'offre et la demande, il faut travailler sur les envies des produits concernés, les envies des seniors, les envies des familles et accompagner les boîtes, les sociétés qui répondent à ces envies. On développe le développement social local sur les territoires. C'est un outil pour aider justement sur les territoires et à faire émerger des projets innovants, mais également à mettre en lien les acteurs des territoires. Pour promouvoir le bien vieillir ensemble, nous formulons à la Caisse d'épargne Grand Est Europe le souhait de fédérer l'ensemble des acteurs de cette filière, de créer des synergies et des ponts entre l'offre et la demande en accompagnant et en finançant cette filière et ce secteur d'activité. Il faut que toutes les forces continuent à se mobiliser, mais également à simplifier l'accès aux aides. Il y a énormément d'aides, énormément d'acteurs, et malheureusement, le public des fois se perd dans les multitudes d'intervenants. Donc d'où l'importance d'avoir souvent un seul point d'entrée qui agrège et simplifie le parcours des bénéficiaires de ces aides. Donc grâce à notre modèle redistributif, nous consacrons près de 160 millions d'euros pour accompagner les personnes en situation de fragilité, soutenir l'innovation sociale, investir dans la recherche et développement, des start-up et des projets associatifs
autour de trois engagements territoriaux : le bien vieillir, l'aide aux aidants et l'accompagnement au grand âge en perte d'autonomie. Il y a un soutien, par exemple, aux associations de personnes âgées qui s'est réduit considérablement, alors qu'il y a un intérêt à avoir des associations précisément pour tester les produits, pour comprendre le vécu de l'intérieur par ceux qui vivent le vieillissement. Et là, on a vraiment besoin de faire un effort d'association des personnes âgées dans la manière dont on conçoit nos interfaces. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle de responsabilité populationnelle. Donc, c'est l'idée que l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire sont responsables du maintien en santé d'une population, en l'occurrence des personnes âgées, et de l'amélioration de la prise en charge de patients au sein de cette population. Il faut évoluer avec les besoins et les nouvelles populations qui arrivent et qui sont vieillissantes. Il faut anticiper ça. L'État a une place prépondérante également pour essayer de coordonner au niveau national toutes les initiatives qui se prennent. Il s'agit maintenant de rassembler et de mutualiser tout ce qui se passe sur les territoires.